Buonasera, benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Non la farò lunga, vi dico solo appunto, perché lo sapete, siete venuti qui apposta, ci sono qui i protagonisti dell'Interfaith Tour, saranno loro poi a illustrarvi quello che è il progetto, tra pochissimo, le darò subito la parola. Da parte mia voglio solo dire che appunto la nostra associazione è a favore di questi momenti in cui, diciamo così, esporre più opzioni, diciamo così, nei confronti della vita. Diversi modi di approcciare la vita, ma pensiamo che appunto ci sia bisogno anche di parlarsi tra persone che non la pensano allo stesso modo dal punto di vista della fede, della non fede in Dio, della religione. Credenti e non credenti collaborano ogni giorno sul posto di lavoro in tutte le sfaccettature della vita umana senza porsi problemi generalmente sulle credenze degli altri. Riteniamo che se supereremo questo problema anche in altri ambiti più importanti, il nostro mondo sarà migliore. Quindi è con piacere che do la parola a questi giovani che stanno facendo un tentativo, poi lo illustreranno loro, che è senza perdere di sostegno. Grazie. En tant que UAM, on fait ce genre d'occasion où on expose d'autres options de vie, des approches différentes, et on parle aussi des gens qui pensent autrement que nous. Dans tous les domaines, il y a les croyants et les non-croyants qui travaillent ensemble, et nous, on pense qu'il ne faudrait pas de tension entre ces deux domaines, et que si on dépasse ces tensions, c'est ça une bonne chose. Tout d'abord, merci de nous accueillir. On est ravis de votre accueil et ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Je voudrais juste préciser qu'on est d'autant plus contents, Victor et moi, d'être accueilli par l'OR ce soir, parce que depuis deux mois et demi de tour du monde, c'est la première association agnostique et athée qu'on rencontre. Donc on est touché d'être avec vous ce soir et ça nous fait extrêmement plaisir. Grazie della vostra accoglienza, siamo molto lieti di essere con voi stasera. E nel caso mio e di Thor siamo ancora più lieti perché è la prima volta in due mesi e mezzo di viaggio che siamo ospiti di un'associazione di atei agnostici, quindi ci fa molto piacere. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, j'excuse Samuel Gibowski qui est chrétien, qui est avec nous ce soir, mais qui est à l'extérieur et qui répond à des journalistes au téléphone parce que ce matin nous avons eu la chance d'avoir une audience rapide, mais intime, ou en tout cas entre nous avec le pape, lors de son audience comme plus mercredi. Et donc c'était un moment assez important pour nous, qu'on soit croyant ou non. Et donc évidemment, vous pouvez l'imaginer, Interfaith Tour, un catholique qui rencontre le pape, et les journaux le harcèlent au téléphone depuis ce matin. Donc voilà, il nous rejoindra dans quelques instants. Alors juste quelques mots quand même pour vous présenter le projet, et vous expliquer pourquoi on est là, ce qu'on fait. Et puis ensuite, on pourra se présenter très brièvement pour que vous sachiez un petit peu qui sont les trois ou quatre qui sont devant vous. Et ensuite, le plus simple sera que vous nous posiez des questions, si vous en avez, je pense que vous en aurez, et auxquelles on pourra répondre. Voilà, je vois Samuel qui arrive. Samuel, c'est bon ? Non, c'est pas bon. Alors, il est encore des journalistes, il arrive. Et il vous dit bonjour de loin. Voilà. Donc, en quelques mots. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei giustificare il nostro compagno Samuel che è al telefono con i giornalisti, perché vi vorrei spiegare che oggi durante l'udienza del mercoledì del Papa siamo stati ricevuti, quindi per noi è una cosa importante a prescindere dal fatto che alcuni di noi siano credenti o non credenti. E, come si svolgerà la serata? Innanzitutto presenteremo il progetto, cioè vi diremo ciò che facciamo, poi presenteremo noi stessi come persone, e poi la cosa più semplice è che voi ci poniate delle domande. Quindi Samuel,
per il momento chi saluta e verrà più tardi. Allora, le projet en quelques mots. Il y a deux choses. Il y a d'abord, vous m'entendez, il y a d'abord une association en France, une association qui s'appelle Coexister et qui fait, qui a pour objectif de promouvoir l'interreligieux chez les jeunes. C'est une association qui s'appelle donc le Mouvement Interreligieux des Jeunes et qui a été créée il y a 4 ans par Samuel justement et qui a plusieurs champs d'action, de dialogue, de solidarité bien sûr parce que l'interreligieux c'est aussi la solidarité, de formation, de sensibilisation et de voyage. Un nouveau projet cette année a été le projet Interface Tour. Ce projet que nous représentons aujourd'hui, Interface Tour, pourquoi ? Le tour du monde interreligieux. Ce projet a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de montrer que nous pouvons vivre ensemble. Nous sommes 5, aujourd'hui nous ne sommes que 4, mais dans le projet nous sommes 5, croyants, non-croyants, juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, athées. Et l'objectif premier est donc de montrer qu'on peut vivre ensemble pendant un an autour du monde et faire des choses concrète. Le deuxième objectif, c'est d'aller à la rencontre de gens qui mettent en avant et qui sont activistes de l'interreligieux partout dans le monde. Donc l'idée, ce n'est pas que des jeunes français vont aller apprendre la vie à des gens dans le monde, ce n'est pas notre prétention. Par contre, l'idée, c'est d'aller rencontrer des gens qui mettent en avant des initiatives porteuses de solutions et de communiquer. Et donc d'une part de communiquer sur cette initiative, mais aussi de nous en inspirer pour améliorer ce que nous faisons en France. Il progetto nasce innanzitutto dall'associazione Coexister, che è un'associazione per il dialogo interreligioso giovanile, un'associazione giovanile per il dialogo interreligioso. È stata creata 4 anni fa da Samuel, appunto, e si occupa di diverse cose, dialogo, solidarietà, formazione e di viaggi. Nell'ambito dei viaggi, appunto, questo cosiddetto Interfaith Tour che stiamo facendo, questo è un nuovo progetto che ha diversi obiettivi. Il primo obiettivo è quello di mostrare che possiamo vivere insieme per un anno. Quindi noi 5 siamo un cristiano, un musulmano, un ebreo, un agnostico, un ateo, possiamo passare questo tempo insieme. In secondo luogo possiamo incontrare le persone che si occupano di attività di dialogo interreligioso nel mondo, non per insegnare a loro come fare, ma per incontrare gente che dispone non solo di iniziative ma di soluzioni e per ispirarci alle loro soluzioni per portarle in Francia. Bonjour à tous, je voulais déjà vous remercier de nous accueillir ici, c'est un croyant qui vous dit ça. Donc Victor vous a présenté l'Interface Tour, je vais vous en parler un peu plus. Notre tour a commencé il y a 2 mois et demi de cela maintenant. On a commencé avec une semaine en Égypte juste avant la deuxième révolution. On a enchaîné sur 1 mois en Israël et en Palestine, on a visité plein d'associations et on a pu voir la réelle situation du problème sur le terrain. Nous avons ensuite, après cette étape en Israël et Palestine qui fut riche en émotions, on a commencé notre tour européen, notre étape européenne qui a commencé en Espagne, qui est partie par l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Pologne, République tchèque, Slovaquie, Autriche, Hongrie et maintenant Italie. Et qui se finira dans 1 mois avec 3 semaines en Turquie, à Istanbul principalement, et 1 semaine au Liban. Donc je pense que... Oui, et puis on enchaîne avec 1 mois en Afrique, 2 mois en Asie, si je ne me trompe pas. 1 mois en Inde, 2 mois en Asie, Australie, ensuite Amérique du Sud, Amérique du Nord, Canada, et on retourne en France pour 2 mois de Tour de France. Oui. Buonasera e vi ringrazio di averci invitato e ve lo dico in quanto credente.
Parlerò un po' di altri dettagli relativi al progetto Interfaith Tour. Vi dico che abbiamo cominciato 2 mesi e mezzo fa in Egitto, appena prima della rivoluzione in corso. Poi siamo andati in Israele e in Palestina, abbiamo visto i vari progetti sul terreno, poi ci siamo spostati in Europa, in Spagna, in Danimarca, in Germania, in Finlandia, in Svezia, anche in Ungheria, in Repubblica Ceca e adesso in Italia. Il progetto Interfaith Tour si concluderà fra 3 settimane, si concluderà fra qualche mese, però prevede anche 3 settimane in Turchia, 1 settimana in Libano, 1 mese in Africa, 2 mesi in Asia, di cui 1 in India, un passaggio in Australia per poi passare all'ultima fase in America del Sud e poi America del Nord e Canada. Donc ça, on a encore beaucoup de mois à voyager et on a encore beaucoup à apprendre sur les autres et sur la rencontre avec les autres, mais on a déjà un bon aperçu avec, comme Ismaël l'a dit, en Israël-Palestine, c'était très, très éprouvant parfois, mais très intéressant d'être là pour être vraiment sur place et comprendre les enjeux. Je vais vous parler juste avant que Victor vous montre une vidéo de ce qui va se passer après le tour du monde. Nous allons faire un tour de France pour expliquer dans plus de 90 villes, pour expliquer ce qu'on a vu, ce qu'on a fait pendant ces 8 mois. Donc on va, pendant 2 mois encore après le tour du monde, nous allons faire un tour de France pour dans des écoles, dans des mairies, dans des associations, avec une exposition, plein de photos, plein de vidéos, pour vraiment expliquer ce qu'on a fait et pas juste revenir chez nous et ne rien montrer ou ne rien partager, puisque c'est l'un des principaux buts de notre projet, c'est de partager avec les autres, d'expliquer et de prouver que les gens peuvent vivre ensemble tout le temps. Donc après ce tour du monde, il y a un tour de France, on ne s'arrête jamais. Abbiamo fatto molte cose, ma ne faremo tante altre e abbiamo tante cose ancora da imparare. Già ora una cosa che ci ha molto toccato, abbiamo trovato molto difficile ma anche molto interessante, è il nostro soggiorno in Israele e in Palestina, veramente il fatto di essere lì. Vi mostreremo adesso un video che è legato al fatto che quando torneremo in Francia faremo un cosiddetto Tour de France, un giro della Francia, in 80 città, spiegheremo a comuni, scuole, associazioni, tramite foto e video, ciò che abbiamo fatto. Quindi invece di tornare e basta nel nostro paese, vorremmo condividere queste cose, perché è uno degli scopi principali del nostro progetto. Quindi una volta tornati non ci fermeremo. Allora, on a évidemment beaucoup de choses à vous dire, mais comme je le disais tout à l'heure, la forme de question est souvent la plus agréable et la moins frustrante. Avant, je vous propose de vous montrer une petite vidéo qui dure 3 minutes. C'est-à-dire qu'on a décidé de communiquer assez régulièrement sur Facebook et sur Twitter sur tout ce qu'on peut faire, mais sur notre site internet, il y aura 2 choses. Sur notre site internet, il y a toutes les semaines une vidéo de 3 minutes qu'on appelle un revival et qui met en avant les points, les highlights, je sais même plus comment on dit en français, les perles de la semaine pour que les gens aient une petite idée de ce qu'on a fait. Et ce, avec un album photo et avec un petit texte, toutes les semaines. Et ensuite, quand on aura un peu plus de temps, on mettra un article pour chaque initiative. Et à titre d'information, nous avons voyagé depuis un peu moins de 3 mois. Nous avons rencontré à peu près 150 personnes actives dans l'interreligieux, dont une 60aine déjà d'initiatives qui mériteront un article sur le site. Donc vous pouvez imaginer la quantité de données que nous aurons à la fin. Alors, pendant que Daniel traduit, je prépare et je vais vous montrer une vidéo qui est la vidéo de la Pologne. C'est un exemple, mais on pourra vous en montrer d'autres si vous le souhaitez, elles durent 3 minutes, donc elles sont assez rapides. Alors, comme vous pourrez le voir, il y a beaucoup de fun, il y a beaucoup de dynamisme, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs de l'interreligieux que nous souhaitons mettre en avant. Donc ensuite,
nous pourrons répondre à toutes vos questions, et si vous le souhaitez, vous montrer quelques autres vidéos, ou si vous avez des pays que vous voulez voir. Abbiamo ovviamente molte cose da dire, però prima di tutto vorrei mostrarvi un video di 3 minuti, perché è una cosa che facciamo regolarmente. Oltre a mettere regolarmente informazioni sul nostro viaggio su Facebook e Twitter, sul nostro sito ogni settimana facciamo quello che chiamiamo un revival di 3 minuti con le perle della settimana, cioè testo e foto sulla settimana trascorsa. E quando avremo più tempo metteremo anche degli articoli sul sito, perché già finora abbiamo incontrato 150 persone, di cui almeno 60 meriterebbero un articolo. Quindi adesso vi mostreremo il video sulla Polonia, 3 minuti. Se volete vedere altri video, non esitate a chiedervi, li possiamo mostrare, per esempio se vi interessano altri paesi. Vedrete quindi le persone che abbiamo incontrato. Dobre witamy interfejsu w Polsce, w Warszawie. Witam interfejsu. What about their own Jewish identity? Before I start talking to anybody else, whether it's a Catholic, or Christian Orthodox, or an atheist, for example, in Hawaii, we meet with our Muslim colleagues in the right here. Des questions, puisque c'est comme ça que ça pourrait être plus interactif avec vous et des choses que vous voulez nous demander. Et ensuite, on pourra aussi vous montrer d'autres vidéos. On en a beaucoup, on en a une par semaine. Ça fait 2 mois et demi qu'on est parti, donc on va pas tout vous montrer, mais on pourra vous montrer d'autres vidéos. Mais si on peut passer aux questions, aux interrogations que vous avez, ça nous ferait vraiment plaisir d'y répondre. Et donc voilà. Quello che possiamo fare ora è passare direttamente alle vostre domande, se ne avete, se vi interessa sapere qualcosa, avete qualche curiosità. Abbiamo anche altri video settimanali, perché in 2 mesi e mezzo ovviamente ne abbiamo accumulati diversi, però ci farebbe piacere rispondere alle vostre domande. Come riuscite a vivere economicamente? Ah.
sinon je n'ai pas entendu que j'ai appris. Point de vue économique, en parlant de santé. Comment on réussit économiquement? E come fate economicamente a fare questo viaggio? Alors, au niveau de l'argent, on a plusieurs partenariats. Le principal, c'est Caritas, c'est le Secours catholique, qui nous finance à hauteur de 40%. Excuse-moi, 25%. On a un partenariat avec le CAICI, qui est un centre interreligieux à Vienne, qui nous finance à hauteur de 25%. Ensuite, on a aussi Adveniat, qui est une auberge de jeunesse catholique, qui nous finance aussi. On a aussi beaucoup de donateurs privés, de petits donateurs qui nous financent. Mais malgré tous ces donateurs, on n'a pas encore réuni tous les fonds nécessaires, malheureusement, pour finir dans les meilleures conditions de notre projet. Mais ce n'est pas ça qui nous empêchera de finir. On a réussi à récolter environ un tout petit peu plus que la moitié de ce dont on avait besoin pour finir ce tour du monde, avec ces donations, ces partenariats. Tous les transports sont payés, c'est-à-dire qu'on pourra aller jusqu'au Canada en avril. Tous les billets d'avion sont déjà pris pour l'Inde, pour l'Afrique. Ça, c'est bon. Ce qui est un peu compliqué pendant un an, c'est de trouver où dormir, de pouvoir manger. Et ça, on compte depuis 2 mois et demi, on y arrive, mais on espère que ça va continuer. On compte beaucoup sur la solidarité des gens. Et donc, on se fait héberger dans des communautés, chez des gens aussi. Et c'est aussi là la richesse de notre projet, c'est qu'on ne fait pas un tour du monde des hôtels. De toute façon, on ne pourrait pas, on n'a pas l'argent. Et on va vraiment dormir chez les gens, chez l'habitant, et pour rencontrer les gens sur place dans les différents pays, et c'est ça qui est important pour nous. Mais c'est un peu compliqué, mais on est jeune, on est un peu fou, on va y arriver. Abbiamo diversi sponsor, fra cui il Secours Catholique, la Caritas francese per il 40%, un altro centro che si chiama CAICI per il 25%, Advenat, che è un ostello cattolico, e altri donatori privati. Purtroppo non siamo ancora riusciti a raccogliere tutti i fondi necessari per tutto il viaggio, ma non ci scoraggia. Abbiamo poco più della metà per ora. I trasporti sono assicurati fino all'ultima parte del viaggio, quindi fino al Canada, i vari biglietti per i vari paesi ci sono, ma ovviamente dobbiamo anche dormire e mangiare in tutti questi mesi, e contiamo sulla solidarietà della gente. Una delle ricchezze del progetto è appunto il fatto che non dormiamo in albergo, bensì alloggiamo dalle persone che ci vogliono ospitare. È più complicato, ma ce la faremo. Io farò più di una domanda. Intanto vorrei sapere se qui c'è qualche rappresentante di televisioni, visto che un'iniziativa come questa fa respirare aria fresca, e ce n'è bisogno di aria fresca nel mondo e forse in Italia più che altrove. Quindi sarei curioso di sapere se c'è qualche rappresentante di qualche televisione statale o privata in sala. C'era. È scappato, è fuggito. Perché mi auguravo, anziché stare ad aspettare che vada come qualcuno mi ha promesso su YouTube e rivedere il tutto, che se ne possa parlare anche a un pubblico più vasto. Altra curiosità, la vostra età, di tutte e cinque. Terza domanda, non ho capito se c'è un agnostico e un ateo, oppure è così. Allora, gli altri tre sono le tre religioni monoteistiche. Buddhisti no. No buddhisti. Si aggregheranno in un secondo tempo. Per ora basta. Grazie. Donc, j'ai trois questions à vous poser. La première, est-ce qu'il y a une chaîne de télé ici? Parce que c'est de l'air frais pour la télévision. Et on m'a dit que ce sera sur YouTube à un moment, mais j'aimerais bien que ce soit diffusé à un public plus vaste. Deuxième question. Vos âges, à vous tous,
Et troisième question, donc vous m'avez dit qu'il y a un agnostique, un athée, un représentant des religions monothéistes, mais il n'y a pas de bouddhiste chez vous. Alors, tout d'abord pour la télé italienne, là, avant que notre conférence commence, on s'est tous fait interviewer par une télé dont j'ai oublié le nom, mais c'était... Rome Reports. Donc, il y a eu... On était... Voilà, Samuel. Donc, là, pour la télé italienne, on s'est fait interviewer. Ensuite, nos âges, nous avons 21 ans, et Ismaël est le plus jeune, il a 19 ans. Et ensuite, dernière question par rapport au fait que nous soyons athées, agnostiques et que des religions monothéistes dans les cinq, on peut répondre à ça, car à Paris, et il y a une autre équipe qui nous suit et qui fait partie du projet, on n'en a pas encore parlé. Donc il y a le juif qui est un peu plus vieux que nous. Il y a aussi une bouddhiste, une fille, qui va d'ailleurs nous rejoindre en Inde pendant 2 semaines et qui va venir pour vivre cette interface tour avec nous. Et même si certaines sensibilités religieuses ne sont pas représentées cette année dans ce tour, le projet qui commence et qui ce n'est que le début, a vocation à être renouvelé chaque année ou tous les 2 ans. Donc dans 2 ans, il pourrait y avoir 2 protestants, un bouddhiste, plusieurs filles, parce que là on est un peu beaucoup de garçons. Donc ce n'est pas du tout un choix de notre part de n'avoir que des religions monothéistes, et en plus ce n'est pas totalement vrai, puisqu'il y a une bouddhiste qui fait partie du projet. Per quanto riguarda la domanda sulle televisioni, siamo stati intervistati prima di questo incontro da una TV che si chiama Rome Report. Per quanto riguarda le nostre età, abbiamo noi tre 21 anni, Ismael invece ne ha 19, è il più giovane. E per quanto riguarda i buddhisti, c'è un'equipe a Parigi di cui non vi abbiamo ancora parlato, che comprende una ragazza buddista che fa parte appunto del nostro gruppo e che ci raggiungerà quando saremo in India per 2 settimane, e quindi farà parte anche lei dell'Interfaith Tour. Ovviamente è chiaro che tutte le religioni non sono rappresentate in questa edizione della tournée, ma ci saranno altre edizioni. Magari tra 2 anni potrebbero esserci 2 protestanti, un buddista, e per esempio potrebbero esserci molto più ragazze, visto che siamo tutti ragazzi in questo momento. Quindi non è una scelta intenzionale. Io volevo sapere come è nata l'idea di questo progetto. È nata da uno di voi, o c'è qualcuno che ve l'ha suggerita, o c'è l'origine di questa idea? Perfetto. L'origine di questa idea. D'abord, bonsoir. Pardon du retard. J'étais avec un journaliste au téléphone en France. Donc, je vous présente rapidement aussi au passage. Moi, je m'appelle Samuel, j'ai 21 ans. Et je suis donc le catholique dans l'équipe. Je vais répondre à cette question, d'autant plus que l'idée nous est venue à deux. Lors d'une rencontre entre le fondateur de l'association, de l'entreprise qui s'appelle Spark News, dont l'objet est de promouvoir des articles, des reportages télévisés sur les solutions, et pas sur les problèmes, sur les trains qui arrivent à l'heure en fait, plutôt que les trains qui arrivent en retard. Et ce fondateur de Spark News et moi, en tant que fondateur de Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes, on a partagé nos idées. Lui, il aimait beaucoup les tours du monde, il en a déjà fait 3. Et moi, j'aimais beaucoup l'interreligieux dans ce mouvement français, et on s'est dit ensemble qu'il faut qu'on co-finance, il faut qu'on co-parraine, il faut qu'on développe tous les deux un tour du monde qui permet d'explorer tout ce qui existe dans la rencontre interreligieuse dans le monde. Bene. Innanzitutto mi scuso del ritardo, sono Samuel, ho 21 anni, sono io il cattolico del gruppo, e volevo dire che l'idea è nata così. 2 persone, io che sono il presidente dell'associazione Coexiste, quindi sulla coesistenza, sul dialogo interreligioso,
ho parlato con il responsabile di Spark News, che è un'agenzia che si occupa di servizi televisivi che propongono soluzioni, cioè non parla dei treni in ritardo, ma dei treni che arrivano puntuali. E lui ha fatto già tre giri del mondo e io mi occupo di viaggio interreligioso, quindi abbiamo unito le forze e abbiamo avuto questa idea. Volevo sapere, quando vi incontrate e parlate, quindi questo dialogo si basa sulle vostre, cioè su quello che pensate voi e quindi avete uno scambio di opinioni, oppure vi concentrate su come si potrebbe organizzare la società a livello di istituzione, proprio mettendo d'accordo tutte le religioni, insomma, che, di cui voi siete portatori. Quindi come vi organizzate, qual è la discussione che fate normalmente anche nell'associazione? Quand vous vous rencontrez et que vous parlez, votre dialogue est-il basé sur un échange d'opinions? Ou alors vous vous concentrez plutôt sur quelque chose de concret et d'institutionnel, c'est-à-dire comment organiser la société d'une façon qui soit d'accord avec vos différentes convictions? De quel genre est votre discussion? Moi je vais commencer en disant que en France, il y a deux choses. Il y a le mouvement en France et l'équipe qui fait le tour du monde. Le mouvement en France se concentre en termes d'objectifs sur le vivre ensemble dans la société. Qu'est-ce qu'on propose aux autorités publiques et gouvernementales pour permettre qu'en France on vive ensemble? Ça c'est l'objectif. Pour parvenir à cet objectif, tous les moyens sont bons. Si le moyen c'est d'échanger sur les opinions, alors allons-y, on dit bon. C'est justement le but, partageons sur les opinions pour permettre que nous vivions ensemble. En revanche, l'équipe qui fait le tour du monde est très en retrait de tout ça. On n'est ni sur le partage des opinions, ni sur la proposition de choses concrètes pour les gouvernements, en tout cas pour l'instant. On est dans l'observation. Et c'est difficile parfois de se taire, il faut se taire, entendre, écouter, et on est là pour voir ce que vivent les gens. Comment est-ce qu'ils le vivent bien ou mal, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Après, quand on va rentrer en France, c'est possible qu'on arrive avec des prescriptions, qu'on arrive avec des idées et avec des revendications. Pour l'instant, on écoute et on regarde. Due cose diverse. C'è la situazione in Francia, la nostra associazione in Francia, che si occupa di convivenza. L'obiettivo è la convivenza, quindi noi facciamo proposte ovviamente a livello istituzionale e tutti i mezzi sono buoni per raggiungere questo obiettivo della convivenza. Questa è una cosa. La seconda cosa è il giro del mondo che stiamo facendo adesso. Nel nostro caso non è né la prima né la seconda delle ipotesi che ha detto, nel senso che per ora ci limitiamo a osservare. Ascoltiamo, osserviamo. È difficile a volte stare zitti rispetto a quello che vediamo, ma la parte in cui non ci limiteremo a osservare verrà dopo, quando torneremo in Francia. Alors, comme Samuel l'a dit, pour le moment, construire quelque chose de concret pour la société, c'est pas dans nos projets. Ça arrivera sûrement par la suite, mais pas pour l'instant. On va pas faire ce tour du monde comme pour prêcher la bonne parole et ce qu'il y a à l'interreligieux. Non, quand on va faire ce tour du monde, c'est avant tout pour chercher et trouver des initiatives qui ont des solutions à nous proposer qu'on pourra nous ramener en France. Donc, on n'est absolument pas dans cette optique de dire que on a la vérité et on vient vous la donner. C'est absolument pas ça. On a, comme dit Samuel, parfois on est obligé de se taire, parfois c'est dur, parfois c'est mieux. Ça change beaucoup nos opinions et nos idées et les idées qu'on se fait sur certaines choses ou certains conflits. Mais oui, après, entre nous, il peut nous arriver de débattre d'interreligieux, mais ça n'a jamais de portée réelle sur le projet. C'est-à-dire c'est entre nous et c'est vraiment pour apprendre à mieux se connaître, même si on se connaît déjà beaucoup et qu'on s'aime beaucoup, je pense.
Come ha detto Samuel, per ora non siamo ancora in questa fase di cui parla lei, cioè il giro del mondo non ha come obiettivo quello di andare a predicare di dire agli altri qual è la verità, bensì quello di cercare le soluzioni degli altri per poterle poi trasporre in Francia. Come è stato detto, appunto, a volte è difficile tacere di fronte a certe cose che vediamo, ma a volte è meglio tacere, per esempio in caso di conflitto. Ovviamente ci possono essere dei dibattiti personali tra di noi che ci conosciamo bene, ma il nostro progetto è un'altra cosa. Io avevo due domande. Una era una curiosità che riguarda il gruppo e i rapporti tra di voi. Siete cinque ragazzi giovani, ognuno porta a una sensibilità religiosa, spirituale diversa e anche un portato culturale, no, diverso. Quindi mi incuriosiva sapere qual è il tema sul quale siete, se mai avvenuto, entrati più in conflitto tra di voi e se questo è avvenuto, come lo avete risolto. Dall'altra parte vorrei sapere anche invece qual è il tema sul quale non avete avuto proprio nessun tipo di conflitto, ma vi siete ritrovati tutti e cinque d'accordo su una cosa. E questa è una domanda. E la seconda è una domanda che invece riguarda il gruppo nei paesi che avete toccato. Innanzitutto volevo delle impressioni a caldo sui vari paesi, cioè sull'accoglienza che avete trovato, se questa accoglienza è stata diversa a seconda della vostra religione o della vostra credenza. Ho due curiosità. La prima, scusami. J'ai deux curiosités, en fait. La première, donc vous êtes cinq jeunes de religions et de cultures aussi différentes, et j'aimerais savoir deux choses. Est-ce qu'il y a un qui a été particulièrement conflictuel entre vous tous, et comment, si oui, comment il a été réglé? Et deuxième chose, s'il y a eu un thème qui n'a pas du tout été conflictuel, vous étiez déjà d'accord? Ça, c'est la première question. La deuxième, parmi tous les pays que vous avez visités, j'aimerais savoir quelles sont vos impressions sur l'accueil que vous avez reçu, c'est-à-dire est-ce que cet accueil était différent en fonction de votre croyance à chacun? Alors, je vais répondre, mais je pense que je vais aussi laisser la parole ensuite à mes camarades. Au niveau de la première question qui est est-ce qu'il y a un thème ou une chose sur laquelle on ne s'est pas du tout entendu, pour ma part, je ne pense pas. Les gens... Ça dépend. Il y a deux jours, Samuel et Victor ont eu une longue discussion entre le chrétien et l'athée. Ça fait trois ans qu'elle dure, la conversation, effectivement. Mais généralement, on peut dire que si il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, ou des moments où on n'est pas d'accord, ou des choses comme ça, ce n'est pas du tout axé sur la religion, c'est plutôt sur la vie en communauté. On est quatre jeunes de 21 ans, de 19 ans, donc c'est plutôt sur des choses très communes et très terre-à-terre. Bien sûr qu'on a des discussions tous les jours sur la religion, sur la vie, les grands thèmes comme ça, mais nos désaccords, s'il y en a, sont beaucoup plus fréquemment axés sur la vie de tous les jours et donc les questions très, très communes. Dunque, per quanto riguarda il tema più conflittuale, da parte mia credo che non esista. Certo, l'altro giorno c'è stata una discussione, per esempio, fra il cristiano e l'ateo, una lunga discussione, ma in realtà, se discutiamo fra di noi, non è tanto su queste questioni, ma sulle questioni terra-terra che riguardano proprio la convivenza quotidiana durante il viaggio. Pour répondre alla première question, Il y a beaucoup de débats entre nous, il y a beaucoup de débats sur les questions très techniques, l'heure de dormir, la nourriture, mais la nourriture c'est quelque chose de très important,
Mais c'est aussi quelque chose de très important en termes culturels et religieux, et Ismaël pourra nous en parler sur la question du halal, et Ilan, notre ami juif, pourrait en parler aussi sur la question du kasher, et comment faire quand on est en Italie, qu'on veut manger halal et que c'est pas toujours facile, c'est plus facile en Turquie, c'est plus facile en Égypte. Bon, mais ça, Ismaël pourra en parler mieux que moi. On a aussi des débats sur la question de la religion, évidemment. Alors là, je parle en tant qu'athée, à des athées, ça fait plaisir, c'est bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a été reçu par l'UAR à Venise aussi, qui nous a accueillis pendant 3 jours avec vraiment beaucoup de bienveillance, de gentillesse et d'accompagnement, et qu'on a été très très heureux de leur donner une petite conférence aussi et d'être reçu chez eux. Et merci beaucoup pour ce contact. Et non, c'est vraiment très important parce que ça a été vraiment, vraiment un bon moment pour nous. Alors, sur les questions religieuses, si ça vous intéresse, tout à l'heure ou après, je pourrais développer un petit peu pourquoi, en tant qu'athée, je pense que le dialogue en tant qu'athée socialiste, engagé syndicalement dans le syndicat étudiant depuis que j'ai 14 ans, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et moi-même qui étais un petit peu contre les religions au début, je suis dans l'interreligieux, si ça vous intéresse, je pourrais développer tout à l'heure. Mais on a effectivement des débats, on était à Assise il y a 2 jours, et on a eu une longue discussion devant Assise, qui est quand même un lieu très fort de l'interreligieux, sur la question de la croyance, est-ce que, qui a raison, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la croyance, est-ce que si je pense que tu as tort, est-ce que je le pense déjà, bon. Imaginons que je pense que tu as tort. Est-ce que pour autant on peut vivre ensemble? Est-ce que j'ai la vérité? Des choses comme ça, des discussions un peu philosophiques. Des fois ça va assez loin, on ne s'est jamais encore tapé, et on arrive à trouver des solutions. Finalement, le conflit peut être positif, et il l'est en général. Et comme le disait Samuel, on a beaucoup d'amour les uns pour les autres. C'est toi qui l'as dit? Comme Samuel le dit souvent aussi, on a beaucoup d'amour les uns pour les autres. Sur la question de l'accueil dans les pays, moi en tant qu'athée, à part en France, je suis en minorité dans le monde entier, donc à ce moment-là, c'est facile. Non, moi j'ai pas eu d'accueil différent. Il y a eu parfois des gens qu'on a rencontrés qui ont été assez stricts sur de dire que l'interreligieux n'est pas pour les athées. Donc là, comme a dit Samuel, on écoute. Et on essaye de comprendre, plutôt que de s'énerver, on peut même échanger si les gens le veulent. Par contre, je pense que, si tu me permets, je te passe la parole pour parler de la question de l'accueil, peut-être en particulier en Israël, sur la question, voilà. Certo, c'è molto dibattito sulle questioni tecniche, per esempio mangiare e dormire può sembrare secondario, ma in realtà il cibo è importante. Per esempio, trovare cibo halal, tipo kasher, non è facile per esempio in Italia, è più facile in altri paesi. Abbiamo comunque anche dibattiti a volte sulla religione. Io, in quanto ateo, volevo innanzitutto dirvi una cosa sull'UAR, cioè siamo stati ricevuti dall'UAR di Venezia, grazie a voi, siamo molto contenti di esserci stati, siamo stati trattati molto bene, quindi grazie per questo. Se vi interessa, dopo, possiamo parlare del perché io, in quanto ateo, in quanto non solo ateo, ma anche sindacalista, socialista impegnato, sono, diciamo, finito in questo dialogo interreligioso, visto che all'inizio ero contro le religioni. Comunque, ora volevo dirvi che ad Assisi abbiamo parlato del credere fra di noi e ci siamo chiesti se io penso che tu, che la pensi diversamente, abbia torto, possiamo comunque vivere insieme? Finora comunque il confronto è stato positivo perché ci vogliamo bene e non ci siamo picchiati ancora. Alors, avant de développer plus la question de l'accueil par rapport à ma religion, j'aimerais tout d'abord préciser que mes propos... Excuse-moi, il y a encore un morceau. Donc, à propos de l'accoglienza nei diversi paesi, in quanto ateo io ero sempre in minoranza in qualsiasi paese. Comunque, abbiamo... abbiamo anche appunto avuto
dei contatti positivi nonostante questo, e per quanto riguarda Israele e la Palestina cedo invece la parola a Ismaël. Donc voilà, comme je disais avant de répondre, je voudrais juste vous préciser que mes propos ne témoignent d'hostilité envers aucune institution ou État, quel qu'il soit, seulement de l'ignorance, je pense. Donc pour ma part, j'ai été refusé d'être accueilli une fois en Israël dans une colonie par Philippe, alors que j'étais même pas là. Donc j'étais pas là, il m'a quand même refusé l'accès à la colonie, c'était très drôle. Et la deuxième fois, c'était au tombeau des patriarches à Jérusalem, où je n'ai pas pu visiter la synagogue parce que j'étais musulman. Donc voilà. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut endurer en Israël en tant que musulman, mais sinon pour la plupart des autres pays, j'ai jamais été mal accueilli. Pour la nourriture halal, on s'est toujours très bien entendu et j'ai toujours eu l'appui de mes camarades. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de soucis, mis à part en Israël. Da parte mia, ho avuto due esperienze negative. Vorrei precisare che non si tratta, non voglio parlare male degli stati né di istituzioni, ma semplicemente parlare male dell'ignoranza che ci può essere. Per esempio, in una colonia israeliana mi è stato rifiutato l'accesso ed è stato abbastanza surreale perché non c'ero neanche e mi hanno rifiutato l'accesso. Secondo episodio, alla tomba dei patriarchi, sempre in Israele, in quanto musulmano mi hanno rifiutato l'accesso alla sinagoga. Altrimenti negli altri paesi tutto è andato sempre bene, anche per quanto riguarda il problema di trovare il cibo halal, i miei compagni mi hanno aiutato, è andata bene. Et pour finir quand même, il faut qu'on parle des sujets qui ne sont pas du tout conflictuels, oui. Parce qu'il y en a. Le sujet conflictuel, je vais juste appuyer dans le sens de Victor en disant que quand même le seul véritable conflit, en employant le mot conflit, c'est-à-dire tension, n'a porté que sur des modalités quotidiennes. Il faut quand même le dire. Il y a eu des débats très vifs sur des questions philosophiques et religieuses, mais jamais des conflits. Vous voyez la distinction que je veux faire entre le débat et le conflit. Maintenant, sur ce qui nous rassemble, on a quand même un point commun tous depuis le début de la préparation du tour qui est relativement pratique. Même s'il y a beaucoup de nuances, on est tous politiquement d'accord et c'est quand même assez pratique pour s'entendre sur des visions du monde. Et donc, du coup, c'est quand même le socle qu'on utilise pour se détendre, pour regarder les autres bords politiques que le nôtre. C'est un point commun qu'on a depuis le début, c'est d'être du même bord politique, et donc ça fait un sujet qui n'est jamais conflictuel. Parliamo anche degli argomenti non conflittuali, perché ce ne sono. Vorrei fare questa distinzione. Un conflitto vero e proprio c'è stato solo a proposito delle questioni quotidiane di cui parlavamo prima. Per quanto riguarda il resto, la religione, si è trattato di dibattito, mai di conflitto. Nonostante le sfumature, le differenze che ci separano, siamo riusciti ad andare molto d'accordo, anche grazie al fatto che praticamente apparteniamo alla stessa parte politica. Questo ci ha aiutato. C'è un azzardo. È un caso. Et juste avant de vous introduire à la prochaine vidéo, je voudrais juste vous témoigner d'une petite histoire qui m'est arrivée avec Luard de Venise. Ah oui. Vi vorrei raccontare prima del prossimo video una storia sul Luard di Venezia. Au moment où je suis arrivé à Luard de Venise, on n'était que tous les trois parce que Ismaël était un colloque en Allemagne. Eravamo solo in tre perché Ismaël era a un congresso in Germania. Et quelqu'un de Luard demande qui est le chrétien parmi vous. Et qualcuno del Luard a chiesto chi è il cristiano fra voi. Alors je lève la main. Alzo la mano. Et le monsieur qui m'a proposé ça me dit dehors. Et le signore qui a fatto la domanda m'a detto fuori. Et il me dit, je rigole. Sto scherzando. Toujours est-il que ça a quand même créé un froid et forcément ça m'a un peu gêné et lui aussi ça l'a gêné. E nonostante lo stesso mi ha comunque un po' imbarazzato questa cosa e anche lui dopo l'ha imbarazzato. E due giorni più tardi je l'ai revu, parce que c'est lui qui nous a raccompagné à la gare. Siccome è lui che ci ha raccompagnato in stazione due giorni dopo, ho rivisto questo signore. E la première chose qu'il a fait dès qu'il m'a vu, il m'a dit: Je suis vraiment désolé et je te demande pardon pour ce que je t'ai dit, ça a dépassé ma pensée et je regrette de l'avoir dit.
e mi ha detto appunto che era molto dispiaciuto di aver detto questa cosa perché è andato al di là di quel che voleva fare e quindi lo rimpiangeva veramente. E peut-être que vous savez, comme vous êtes dans un pays catholique et que vous êtes près de Rome, que s'il n'y avait que trois valeurs chrétiennes, dans les trois valeurs chrétiennes il y a le pardon, et donc forcément ça m'a beaucoup touché. Questa cosa mi ha molto toccato perché, essendo voi in Italia, lo sapete, siete in un paese cattolico, e sapete che uno dei tre valori cattolici è il perdono, quindi questa cosa mi ha toccato. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait souvent ça quand on fait des conférences, je vous montre une autre vidéo de 3 minutes, et ensuite on répond à toutes vos questions. Je vous propose de montrer une vidéo et puis de répondre à vos demandes. Si? My challenge is the best thing is to learn as much as possible about yourself. I'm a person who was born into a communist family, and we were not allowed to travel. I was drenched of every study abroad. I was even allowed to go to the university because of political reasons here. I would say take every opportunity to go out, to travel, do not be afraid of touching the other. So I need the dialogue, then the tools and the laws of the dialogue basically apply to all of it. Stop talking about each other, start talking to each other, you would be amazed. Leave your houses and look around in the neighborhood what you will discover. Non di dettaglio, ma abbastanza importanti, quelle che in Italia vengono chiamate non negoziabili, penso aborto, difesa dell'embrione, che i laici vedono in un modo, lui ha capito, che i laici vedono in un modo, i religiosi in un altro, i cattolici in un altro modo addirittura. Come si è riusciti in Francia ad avere una sintesi di posizioni, qualora vi si sia riusciti in maniera pacifica? La mia domanda è collegata a quello che, alla risposta che avete dato prima. Quando vi è stato chiesto un motivo di non conflitto tra voi, io avrei sperato che per esempio si trattasse di uno, no, di essere d'accordo sempre e comunque su uno stato laico. È una mia speranza fondata o no? Sì. Sì.
volevo chiedere ai ragazzi musulmano e al cristiano, innanzitutto perché si chiama cristiano, si fa chiamare cristiano e non cattolico. Poi se sono due se è un cristiano e un musulmano molto praticanti, molto osservanti, che ne so, il cristiano messa tutte le domeniche, segue fedelmente i precetti, se seguono fedelmente i precetti delle loro rispettive religioni, o se sono molto sciolti, molto aperti, insomma. Un po' l'italiana, diciamo. Sì. Donc, d'après votre expérience en France, comment la cohabitation en France, le vivre ensemble en France, avec le nombre important de musulmans, par exemple, que vous avez, le nombre de catholiques, de les autres religions, etc., comment ce vivre ensemble s'organise-t-il par rapport à ce qu'on appelle en Italie des questions non négociables, tout ce qui a trait à l'avortement, les embryons, tout ça, qui divisent souvent les religieux et les non religieux? Quelle est la synthèse? Ça, c'est la première question. Deuxième question, à propos de la raison du sujet qui n'est pas du tout conflictuel. Tout à l'heure, j'avais espéré, à propos du sujet non conflictuel, j'avais espéré que vous disiez quelque chose du genre « on est tous d'accord sur l'existence d'un État laïque ». Est-ce que mon espoir est fondé? Oui, bien sûr. Donc là, troisième question. Et la troisième question est adressée en fait aux musulmans et aux chrétiens. Et pourquoi le chrétien se définit-il chrétien et pas catholique, par exemple? Et deuxième chose, êtes-vous deux, donc chrétiens et musulmans, êtes-vous pratiquants? Suivez-vous vraiment les préceptes de vos religions ou êtes-vous religieux à l'italienne, entre guillemets? Ou à la française? Les questions non négociables. Ça n'existe pas en France. Dieu merci. C'est un concept qui est catholique, et je pense que c'est parce que le concept est catholique qu'il est très répandu en Italie. En France, heureusement, ce concept n'existe pas. Et je vous le dis en tant que chrétien et en tant que catholique, il n'y a pas de questions non négociables. Moi, en tant que catholique, je ne crois pas aux questions non négociables. Ça n'existe pas. Toutes les questions sont négociables. Et en tant que catholique, chrétien, pratiquant et croyant, pas croyant à l'italienne, croyant, pratiquant, j'ai manifesté en France pour qu'on puisse avoir une loi qui permette l'avortement, une loi qui permette le mariage des homosexuels, etc. Puisque, même si moi, à titre personnel, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas forcément bonnes, je pense en particulier à l'avortement, je ne vois pas pourquoi est-ce que mon opinion religieuse devrait être appliquée à toute la société. Et c'est pour ça que j'ai manifesté pour que cette loi existe, même si je pense que l'acte est mauvais de mon point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, peut-être ça. Les questions non négociables, da noi, non esistono, grazie a Dio. Per fortuna, io, per esempio, come cattolico, non ci credo a queste questioni, non credo nella loro esistenza. E lo dicono in quanto cattolico e anche in quanto praticante, non cattolico all'italiana. Io per esempio ho partecipato alle manifestazioni in favore dell'aborto o per il matrimonio omosessuale, anche se non sono necessariamente a favore di queste cose, non trovo che le mie opinioni debbano necessariamente essere estese a tutta la società. Évidemment que nous sommes tous pour un État laïque, ça c'est évident, puisque c'est l'un des fondements de la pensée socialiste et qu'on est tous de gauche, vous l'avez compris. Ah oui. Siamo per uno Stato laico tutti, perché avete capito che siamo socialisti ed è uno dei fondamenti dello Stato francese. Et en tant que catholique, romain, latin, tout ce que vous voulez, fidèle au pape, je regrette que ce ne soit pas le cas en Italie, et je sais que des catholiques romains regrettent aussi que ce ne soit pas le cas en Italie. Et in quanto cattolico romano, eccetera, eccetera, fedele al papa, eccetera, mi dispiace che non sia così in Italia, e so che cattolici francesi pensano la stessa cosa. Et dernière chose, pourquoi chrétien? Je regrette que le christianisme ait été divisé en tant de confession, c'est quelque chose qui me fait de la peine. J'ai été éduqué dans une famille catholique dont je suis fier de mon éducation catholique,
et j'aime l'Église catholique puisqu'elle est ma famille nucléaire, peut-être ma petite famille, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est ma grande famille. Et ma grande famille, ce sont les chrétiens. Et je me sens plus chrétien que catholique, même si j'appartiens à cette famille catholique et je peux pas revenir. Je sais que les problèmes sont les problèmes du corps, les autres chrétiens. Oui. Mais j'aime le pape. Oui, oui. Moi aussi. La domanda era stata fatta per chi si è definito cristiano. Innanzitutto a me dispiace che ci sia stato lo scisma tra le varie religioni cristiane. Da un lato la mia piccola famiglia è quella cattolica e la religione nella quale sono stato educato, dall'altro però c'è una famiglia più grande, più estesa, ed è quella del cristianesimo, e in questa mi riconosco. Allora, per la situazione dei musulmani in Francia, allora, elle pose problème. Mais je pense qu'il y a ce problème de deux façons. La première, c'est juridique. C'est par rapport à certaines lois que je définis comme étant discriminatoires envers la communauté musulmane en France. Et la deuxième, c'est qu'il y a un problème de dialogue avec les musulmans en France, au contraire du catholique. Donc, la première façon de voir les choses, c'est de la façon juridique, c'est certaines lois qui discriminent les musulmans, surtout en France. La deuxième, elle est plus dans la façon de penser des Français, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème avec l'islam en France aujourd'hui, c'est que il n'y a pas vraiment de dialogue entre la religion musulmane et l'État français. C'est une situation que je trouve très désolante et à laquelle j'essaie de remédier moi. Mais après, en tant que... Donc oui, il y a des problèmes, mais je pense que ce problème vient surtout d'un manque de discussion, car au contraire du catholicisme, en islam, on n'a pas de grandes institutions pour parler avec les institutions laïques. Ensuite, concernant l'État laïque, évidemment que je suis pour, tant qu'on prend la laïcité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire séparer l'État de la religion et que la religion soit pratiquée dans la sphère privée et pas dans la sphère publique. À partir de ce moment, je suis d'accord. Après, aujourd'hui, en France... Ah, excuse-moi, c'est l'inverse. Et oui, et tant que ce concept de laïcité ne s'intègre pas dans la sphère privée, là, il n'y a pas de souci. Mais s'il s'intègre dans la sphère privée et qu'il essaye de nous changer, nous, en tant que musulmans, et de porter atteinte à notre foi, là, je suis contre. Mais je ne suis pas contre le concept de laïcité de base. Et la troisième question, c'était... Oui, je suis pratiquant. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe bien. Non, plus sérieusement, je ne pense, en tout cas dans ce groupe, pas avoir de problème pour pratiquer ma religion. Certes, des fois c'est difficile, mais ce n'est absolument pas à cause du groupe. C'est plus pour des problèmes de logistique. Moi, quand je vois les enfants, c'est dur de faire des prières. Mais en France aussi... C'est-à-dire que jusque-là, je n'ai jamais eu vraiment de problème pour pratiquer ma religion. J'ai toujours pu manger à l'âge, j'ai toujours pu faire ma prière dans une mosquée. Après, c'est pas le cas de tous les musulmans en France. C'est-à-dire que je ne parle que pour moi. Et je ne me pose absolument pas en tant qu'ambassadeur ou du moins de voix que la voix de tous les musulmans en France. Bon courage. È vero che in Francia la religione musulmana è problematica a certi livelli. In che senso? In senso giuridico. Alcune leggi francesi sono percepite come discriminatorie dai musulmani. A un secondo livello, quello della mentalità francese, c'è un altro problema. Non esiste una sede di dialogo fra la religione musulmana e lo Stato. E questo a me dispiace, e nel mio piccolo cerco di rimediare questa situazione. Quindi c'è una mancanza di dialogo a livello istituzionale. Io ovviamente sono a favore dello Stato laico, della separazione fra Stato e religione, pur essendo musulmano. Lo Stato, secondo me, non deve ingerirsi nella sfera privata delle persone. Se cerca di farlo, per me come musulmano questo è un problema, sono contro. Risposta a un'altra domanda, sì, sono praticante, musulmano praticante, tutto bene, non ci sono grandi problemi, a volte sì, dei piccoli problemi logistici, per esempio, io non ho grandi problemi logistici per trovare cibo halal o per trovare una moschea, ma parlo per la mia situazione personale,
non mi pongo come voce di tutti i musulmani francesi, non rappresento tutti i musulmani francesi. Due curiosità. Il vostro titolo di studio, per regolarmi, perché se siete tutti laureati, diciamo che è meno meritevole dal mio punto di vista che se foste arrivati a titoli di studio più bassi. La seconda, mi è venuto il dubbio che queste idee possano essere nate dopo l'avvento al papato di Francesco, quasi favorite da certi suoi discorsi. Se è vero il contrario, mi congratulo doppiamente con voi. Sì. Volevo chiedere se ci possono dare degli esempi di soluzioni interessanti di convivenza interreligiosa che voi avete scoperto durante i vostri viaggi e che potrebbe valere la pena di applicare in Francia. Hai un'altra? Terza domanda? Vabbè, non è proprio una domanda, è una considerazione. Voi venite dalla Francia, ecco, l'avete detto stesso voi, quindi per questo voi avete questa fluidità nei rapporti, perché siete tutti quanti dello Stato laico. Il nostro problema invece è questo, anche qui in Italia, cioè noi sulla carta siamo Stato laico, però poi di fatto non avviene questo, specialmente neanche a sinistra, neanche nella sinistra politica, e ancora peggio in altri stati dove veramente c'è Sharia e ci sono appunto proprio commistioni forti tra. Quindi era una considerazione questa mia, quindi viva la Francia, devo dire. La première question donc à deux volets. Le premier, quel est le niveau de vos études? Parce que mon évaluation de ce que vous faites dépend de ça. En fait, j'aimerais savoir si vous avez un diplôme ou pas. Deuxième volet, est-ce que l'idée de tout ça est née avant ou après le début de la papauté de pape actuel? Avant. Ok, bon. Okay, je la deuxième question. Pouvez-vous donner des exemples de vivre ensemble que vous avez déjà rencontrés pendant votre tour, votre voyage? La troisième n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque que j'aimerais partager avec vous. Vous venez de France, vous l'avez dit, et voilà pourquoi vous êtes tous en faveur de l'État laïque. Nous, en Italie, on a une autre situation, l'État laïque est juste sur papier, même du côté de la gauche politique. Et c'est pour ça que je dis vive la France. Alors, pour répondre à la première question par rapport à nos études, nous venons de finir avant de... Samuel, Victor et moi, nous venons de finir une double licence à la Sorbonne en histoire et sciences politiques. Et Ismaël, qui est un peu plus jeune que nous, est également à la Sorbonne en histoire et en deuxième année. Donc on est tous dans le même domaine historique, dans le même domaine d'études, qui est l'histoire, et pour Victor, Samuel et moi, la science politique en France. Et Victor, Samuel et moi, on est diplômés. Ça fait 6 diplômes, hein. deux licenciés. A proposito del livello di studi, quindi ci sono 3 doppi laureati fra noi in storia e scienze politiche, quindi tutti alla Sorbona, quindi Samuel, Vittore e Jocelyn hanno tutti e 3 lauree. Il quarto è Ismael, che è al secondo anno, ma lui è più giovane di noi, quindi non è ancora laureato. Ça a commencé bien avant, puisque on a commencé à travailler sur ce projet il y a plus d'un an, en septembre 2012. Et oui, et
un an avant, on a eu l'idée, donc il y a 2 ans, et on s'est vraiment mis au travail. On a vraiment travaillé sur tous les points techniques en septembre, donc il y a un an, tout simplement, pour préparer ce tour du monde. Quindi l'idea è nata molto prima del Papa attuale, quindi settembre 2011 l'idea e l'organizzazione vera e propria settembre 2012, quindi molto prima. Ok, plusieurs petites choses, du coup je vais répondre à plein de questions, à plein de choses, mais la première chose, qui je ne sais pas s'il faut nécessairement juger de la pertinence du projet simplement sur notre niveau d'études. C'est effectivement très intéressant de savoir quel est notre niveau universitaire, peut-être par rapport à l'aspect recherche du projet, mais l'aspect rencontre, vivre ensemble, ne se calcule sûrement pas avec notre niveau d'études. Ça, c'est quelque chose de très important. La prima cosa che voglio dire è che non trovo giusto giudicare la pertinenza del nostro progetto sulla base del livello di studi, cioè al limite questo è importante per gli aspetti della ricerca, ma per quanto riguarda la convivenza non c'entra. Et aussi dire que le mouvement Coexister, auquel nous appartenons tous, est un mouvement qui a plus de 1000 adhérents, alors qu'il n'a que 4 ans. Dans toute la France, il y a une quinzaine de groupes officiels, un peu comme UR Rome, UR Venise, etc., dans toute la France, dans 15 villes de France, avec à peu près 300 activistes. Et parmi eux, tout le monde n'est pas à l'université, et il y a d'ailleurs des groupes Coexister qui sont spécifiquement dans les banlieues. Il y a des groupes à la Sorbonne, il y a des groupes dans les grandes écoles, mais il y a aussi des groupes dans les banlieues, et c'est justement cette mixité sociale qui fait que notre message est un message de cohésion sociale. Et pas simplement de gens dans les universités. L'objectif, c'est pas le travail d'une élite, et ce n'est pas le cas. Il movimento di cui facciamo parte, che si chiama Coexister, ha circa 1000 soci in tutta la Francia, esiste da 4 anni, ha 15 gruppi locali e 300 di questi soci sono attivisti. Quindi ovviamente non comprende solo universitari, ma anche per esempio gente che abita nelle periferie degradate. Quindi si tratta di un miscuglio, di una mescolanza sociale che per noi è un modo di arrivare alla coesione sociale, non è una cosa che si rivolge alle élite. Ensuite, merci. Par rapport à la question des moments marquants, on peut tous partager des moments marquants, je pense. En ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup touché, et peut-être que ce sera au même endroit pour tout le monde. Il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes en Europe, évidemment, mais étant nous-mêmes Européens, ça nous touche moins quand on voit des gens qui vont dans des écoles avec une kippa, avec un tapis de prière et avec une croix, c'est très bien, mais ça nous touche un petit peu moins. Pour autant, c'est très important. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où nous, en tant que jeunes Français, on vit, par exemple, en Israël, en Palestine, pendant un mois, en immersion totale, à vivre dans des familles qu'on rencontre dans les rues, sans garde du corps, sans étiquette, sans quoi. Bon, on voit bien qu'on est français, et on parle pas ni arabe ni hébreu, mais quand on arrive et qu'on est accueilli, et ça reprend la question de l'accueil, comment est-ce qu'on a été accueilli? On a toujours été accueilli extrêmement bien, et d'ailleurs on a été mieux accueilli en Palestine. C'est pas tout à fait vrai, parce que Venise c'était vraiment parfait, mais on a été mieux accueilli en Palestine dans des familles qui n'avaient rien que dans des pays d'Europe très industrialisés, où quand on arrive et qu'on dit on fait un tour du monde, on essaye de promouvoir la paix, l'entente, la cohésion sociale, on nous dit c'est très bien, allez voir un peu plus loin dans une auberge de jeunesse. Bon. Per quanto riguarda i momenti salienti del viaggio, personalmente ce ne sono stati i momenti salienti, non so se è così per gli altri. Da una parte le esperienze fatte in Europa mi toccano un po' di meno, non so, le varie scuole religiose, di una religione o dell'altra, in quanto europeo. Quello che mi ha toccato di più sono le esperienze per esempio in Israele o in Palestina, dove siamo stati un mese in immersione totale, senza nessuna protezione, senza parlare la lingua. E devo dire che siamo stati accolti veramente bene, anzi devo dire che nelle famiglie per esempio palestinesi povere siamo stati accolti addirittura meglio che per esempio in Europa in contesti molto più ricchi dove ci hanno detto andate a dormire in albergo. E un esempio très concret, mais parmi beaucoup d'autres, quand on a rencontré une association dont l'objectif
et parce qu'il faut savoir que les Palestiniens, je ne suis pas là pour défendre ni la cause d'Israël, ni la cause de Palestine. Mais c'est un exemple. Les Palestiniens n'ont pas le droit de sortir de Palestine pour aller où que ce soit dans le monde. Ils sont enfermés. Quand on voit une association de jeunes gens israéliens qui se battent avec les autorités pour aller chercher des enfants en Palestine et pour les emmener pendant une journée de l'autre côté du mur, par exemple, pour aller voir la mer, des enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de voir la mer parce qu'ils sont entourés par des barbelés et qui eux-mêmes disent « je suis israélien, peut-être, mais je suis avant tout pour l'humain » et peu importe la religion, peu importe tout ça, et qui vont chercher ces enfants qui ne pourront pas sortir de Palestine avant qu'ils aient au moins 40 ans, et encore, si on les autorise, peut-être que d'ici là, ça aura changé. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça. Et bien, quand on voit ces associations-là qui vont chercher les enfants, qui les emmènent à la mer, qui malheureusement les ramènent à la fin, mais en tout cas, qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer, et je conclue mon intervention là-dessus, l'objectif, et en Israël, plus que jamais, c'est de créer des ponts et de détruire des murs. Bon, il y a des gens qui le font très bien sur place. Nous, on n'a pas la prétention d'être dans une situation aussi difficile. Mais si on peut au moins montrer que ces initiatives-là, dont on ne parle jamais, existent, pour nous, c'est déjà une victoire. Vi faccio un esempio concreto. Preciso che io non sono a favore della causa israeliana, causa palestinese, no. Però abbiamo visto in Palestina dei giovani, dei bambini che sono rinchiusi, non possono uscire dal territorio, e allora ci sono altri giovani, associazioni israeliane che vanno a prenderli per portarli almeno un giorno al mare, poi ovviamente li devono riportare là dove abitano, altrimenti loro sono prigionieri, devono aspettare l'età di avere compiuto 40 anni per uscire. Quindi questo per me vuol dire che in un contesto come quello israeliano ciò che è importante è creare ponti e far cadere i muri. Ovviamente noi modestamente non è che abbiamo grandi pretese, però già mostrare ciò che succede è un successo. Des amis musulmans regardent la disposition de l'État français. Ho sentito la risposta dell'amico musulmano sulla discriminazione supposta, che lui lamenta davanti allo Stato francese, poi vorrei capire anche gli altri qua. E quello che vorrei capire però, perché uno Stato dovrebbe parlare con una qualsiasi religione, non farò Stato musulmano, con qualsiasi, visto che in ogni caso parlare con una religione significa parlare con dei rappresentanti che spesso, si è visto anche in questo caso, non rappresentano i loro fedeli. Qui l'amico cattolico ha detto che la sua posizione non rappresenta necessariamente i cattolici francesi, l'amico musulmano ha detto che non necessariamente rappresenta i cattolici musulmani e i musulmani francesi. Però, scusa, in Italia per esempio abbiamo proprio questo problema, per cui lo Stato e i dialoghi con le religioni, in particolare con quella cattolica. Quella cattolica rappresenta se stessa la gerarchia, non rappresenta certamente i fedeli cattolici che in molte scelte si sono dimostrati molto più aperti rispetto alla gerarchia. Quando c'è stato da votare in Italia il divorzio, quando c'è stato da votare in Italia l'abolizione dell'aborto, l'hanno respinta, molti erano cattolici. Quindi vorrei capire a questo punto a che parola dialogare con una religione se molto spesso i rappresentanti religiosi non rappresentano ma chi pretenderebbero di rappresentare. Grazie. Propongono che questa sia l'ultima serie di domande, quindi prendo l'ultima serie di domande. Ok, brevemente era stato un po' vagamente accennato. Visto che la vostra situazione, anche dei gruppi che stanno nelle periferie, andando un po' provocatorio, visto che siete anche membri di aver capito tendenzialmente socialisti. Questi gruppi che si trovano nei quartieri periferici, in pochi disagiati, come agiscono proprio per consentire questa maggiore integrazione, ridurre gli eventuali scontri che spesso hanno una permanenza di tipo religioso, anche se la fase è naturalmente sociale, visto che purtroppo periodicamente negli ultimi anni ci sono state delle rivolte nelle congregazioni. C'è una terza domanda?
due, sì, due, i tu. No, no, non io, due, 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 sì, 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 tutte e due, dai. No, io non volevo fare una domanda, volevo farvi una proposta. Io sono un agnostico che crede assolutamente che esista solo Dio, in cui voi, io, il mio gatto, gli uccelli del giardino siamo cellule di questo grande organismo di Dio. Purtroppo questo concetto non permette a nessuna organizzazione di mettere su un qualche cosa che serva ad accumulare potere e denaro, e quindi nessuna religione lo difende. La proposta che volevo farvi è questa: alla fine del vostro viaggio, perché non fate una proposta ufficiale a cristiani, musulmani e ebrei di chiudere le loro moschee, templi e sinagoghe ed aprire un tempio in comune, cominciando a Gerusalemme, dove tutti vanno a pregare insieme? I musulmani non avrebbero nessuna difficoltà. Io mi ricordo 20 anni fa a Isfahan, una sera non trovavo posto in albergo perché c'era un festival a tutto pieno, pioveva che Dio le mandava, mi infilavo in una moschea, chiesi a uno di questi imam: senta, che posso fare? Si dorma in moschea. Ma ha portato una coperta, ho dormito nella moschea. Guardi, nessun prete cattolico e nessun rabbino mi avrebbe permesso una cosa del genere. Volevo chiedere da Atea, volevo chiedere al ragazzo ateo come gli era venuto in mente di imbarcarsi in questa avventura, quindi volevo saperlo proprio da lui. E poi una piccola cosa che volevo dire sempre da Atea, non è una domanda, volevo solo sottolineare questo, cioè da Atea italiana, quando il ragazzo cattolico ha detto appunto che non esistono diritti, cioè valori non negoziabili, ha parlato di una città dello Stato, io ho avuto un moto d'animo, l'avrei abbracciato, perché è veramente è un piacere sentirlo dire da un ragazzo giovane cattolico. Sì, anche francese. Ok? Ismaël a parlé dans sa réponse de la discrimination de l'État français par rapport, certaines discriminations de l'État français par rapport aux musulmans, mais je me pose la question, pourquoi un État quelconque devrait parler aux religions d'une façon institutionnelle si les fidèles de ces religions justement ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas tous les autres fidèles, et que ce, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, etc. En Italie, par exemple, je vous fais un exemple, on a une hiérarchie catholique qui ne représente pas pour autant tous les catholiques. Les idées peuvent être différentes. On a vu, par exemple, ça en Italie, avec le cas du divorce, la loi sur le divorce ou l'avortement. Les fidèles avaient des opinions différentes sur ça par rapport à la hiérarchie. Pourquoi donc faire ça? Deuxième question. Vous avez parlé tout à l'heure de banlieue, certains de vos membres qui habitent dans vos banlieues. Vous êtes tous des socialistes ici, si j'ai bien compris. Comment faire pour diminuer les contrastes dans les banlieues qui, on sait bien, souvent ont une base, une origine sociale, mais parfois aussi une origine religieuse? Troisième question, plutôt une proposition qu'une question. Moi, je suis agnostique. Et je crois qu'il existe seulement un Dieu qui comprend tout. Il comprend nous tous, il comprend une table, un chat, les animaux. Nous sommes tous les cellules de ce Dieu. Évidemment, personne, aucune religion n'est d'accord avec ça. Ça ne permet pas de fonder ma propre religion. Mais ma proposition est la suivante. À la fin de votre voyage, pourquoi le chrétien, le juif et le musulman ne proposent-ils pas de fermer les églises, les synagogues, les mosquées, et de monter un temple commun à Jérusalem, peut-être? Je crois que pour les musulmans, ce serait pas un problème, parce que mon expérience, il y a 20 ans, à Isfahan, a été que j'étais dans la file, dans la queue devant une mosquée, et que je ne savais pas où dormir, en fait. Donc j'ai demandé à l'imam où je pouvais aller, il m'a dit, pas de problème, vous dormez ici. Je crois qu'aucun rabbin ou aucun prêtre n'aurait fait de même. Quatrième question. En tant qu'athée,
Je pose une question à la T parmi vous. Pourquoi s'est embarqué dans ce projet? Et encore une dernière remarque. Quand le catholique d'entre vous a dit qu'en France, il n'existe pas de questions non négociables, j'aurais voulu l'embrasser. Je suis tellement content qu'un jeune catholique dise ça. Une question, donc musulman, discrimination, pourquoi l'État français devrait parler avec les religions si les fidèles ne représentent qu'eux-mêmes? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je ne défends pas l'idée d'une hiérarchie dans la religion musulmane. C'est-à-dire que moi, je n'apporte pas de solution, je dis juste qu'aujourd'hui, certes, il y a des lois qui sont discriminatoires et que malheureusement, je n'ai pas assez de science et de connaissances pour pouvoir apporter une solution durable à ce souci. Donc je ne fais qu'une constatation de dire qu'il y a un problème et je ne suis absolument pas là en tant que poseur de solution. Donc ça, il faut bien le comprendre. La deuxième question. Ok, alla prima risposta alla prima domanda. Non sono qui per sostenere una gerarchia musulmana di nessun tipo. Sto solo constatando un dato di fatto, esistono delle discriminazioni, però non ho le conoscenze necessarie per trovare una soluzione. Donc, ensuite, pour la question des banlieues, ben, j'y suis très sensible parce que je viens moi-même de banlieue et je sais très bien qu'il y a des clivages et certes, je puis vous l'affirmer, ils sont liés d'abord à une origine sociale difficile et aussi, dans de moindres mesures, à la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons historiques que je ne vous exposerai pas maintenant parce que j'ai pas 3 heures, malheureusement. Mais je pense qu'on peut combattre ça déjà par un accès à la culture, c'est-à-dire que c'est les gens qui vivent en banlieue sont enclavés. Ils ne vont jamais au musée, jamais à l'opéra, ils vivent qu'entre eux, ils ne mangent qu'entre eux, ils ne vivent qu'entre eux, ils sont cloisonnés. Donc ça c'est un gros souci, et je pense vraiment que cette ouverture à l'autre, à sa culture, à sa religion, et à, pourquoi pas, par des voyages aussi, parce que c'est les gens qui habitent en banlieue, il faut le dire, ne voyagent que très peu, si c'est aller dans leur pays d'origine. Pendant très longtemps, je ne suis parti que dans mon pays d'origine. Donc, je pense sincèrement que ce problème peut être réglé par l'ouverture à l'autre. Et quand je dis l'ouverture à l'autre, bien sûr, il y a l'ouverture interreligieuse, parce qu'il y a une vraie mixité religieuse en banlieue, dont on ne parle pas assez malheureusement, avec l'islam qui est surreprésenté en banlieue. Et oui, voilà, j'en arrive à la conclusion que je pense sincèrement que cette ouverture à la culture, en plus on est français, on a une très très belle culture, pardon d'être nationaliste. Patriote, c'est vrai. Donc... La questione delle periferie degradate di cui abbiamo parlato mi tocca particolarmente perché appunto vengo da una di queste periferie. È vero, ci sono delle fratture, non solo sociali, soprattutto sociali, diciamo, ma in piccola parte anche religiose in queste periferie. Per ragioni storiche che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ci vorrebbero ore. Personalmente penso che una soluzione potrebbe essere la cultura per lottare contro queste fratture e superarle. La gente vive chiusa, rinchiusa nel proprio mondo, non viaggia e non ha l'apertura verso le altre culture e gli altri contesti. Sarebbe bene avere questa apertura, per esempio sarebbe bene che queste persone viaggiassero non solo verso il loro paese d'origine, cosa che fanno, ma che facessero anche altri viaggi. Ultima cosa, sulle periferie, non pensate che sono solo musulmani, c'è anche una certa mescolanza religiosa. Sur la représentation des religions, et en particulier de l'islam, il faut distinguer la représentation sociale de la représentation politique, de la représentation religieuse. Si les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, ne peuvent pas être représentés politiquement par des autorités, parce qu'effectivement on n'est pas d'accord avec eux la plupart du temps, comme vous l'avez vu sur l'avortement et le mariage, en revanche, ils peuvent nous représenter religieusement. Un chrétien, un juif et un musulman, il a des besoins qui correspondent à sa liberté religieuse. Prier, porter les vêtements qu'il souhaite, manger les nourritures qu'il veut manger, et pouvoir se rassembler avec ses co-religionnaires. Par rapport à ses besoins religieux, on a besoin d'être représenté. Et l'Église catholique aujourd'hui en France, elle nous représente très bien sur le plan religieux. Elle nous représente mal sur le plan politique, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec elle. Mais elle nous représente très bien sur le plan religieux parce qu'elle nous garantit 36 000 lieux de culte en France pour seulement 2 000 mosquées, 36 000 églises en France.
Elle nous garantit la possibilité de nous retrouver, la possibilité de nous exprimer et la possibilité de prier. Donc elle nous garantit le nécessaire. Et les musulmans ont besoin d'une représentation qui ne soit pas politique, une représentation religieuse qui leur permette d'avoir des garanties sur leur liberté religieuse, manger halal, prier l'islam et porter le voile. A proposito della rappresentanza delle diverse religioni, il problema è, non è tanto la rappresentanza politica o sociale quanto la rappresentanza religiosa per l'Islam in Francia. Cioè, perché i musulmani devono essere rappresentati a livello religioso? Per poter fare le cose che si fanno in una religione, cioè poter pregare liberamente, riunirsi nella propria comunità o mangiare il cibo prescritto della religione, queste cose qua. Noi per esempio come cattolici abbiamo questa rappresentanza che garantisce per esempio il funzionamento di 36.000 chiese in Francia contro solo 2.000 moschee e ci garantisce a noi cattolici il necessario per praticare la nostra religione. I musulmani hanno bisogno di questo tipo di rappresentanza religiosa per fare le cose che devono fare, pregare, portare il velo, eccetera. Sur la question des banlieues, on a d'abord des gens qui sont exclus avant d'avoir des musulmans, des arabes ou ce qu'on veut. La banlieue a été conçue, a été construite et a été s'est développée dans une logique d'exclusion. Même le mot banlieue, puisque banlieue en français c'est le lieu du banc, c'est le lieu en dehors. Ça veut dire que la banlieue a été construite pour exclure, donc c'est cette logique d'exclusion qu'il faut briser. Si les gens sont en majorité arabes, c'est simplement parce que c'est nous qui leur avons demandé de venir d'où les pays arabes, et qu'il se trouve que ces gens qui arrivent des pays arabes sont musulmans, mais c'est une coïncidence. C'est d'abord parce qu'ils sont exclus qu'il y a des problèmes. Il faut briser l'exclusion pour que les problèmes cessent. Même de tous les banlieues du monde. Oui, exactement. Mais en France, on est assez solitaire. Oui, oui, je sais. Quand on regarde la périphérie, la parola periferia in francese banlieue viene dalla parola bon che vuol dire bando, mettere al bando. Quindi già da questo si vede che si tratta di una logica di esclusione. Periferia vuol dire esclusione. Ed è questa logica di esclusione che deve essere infranta. Quindi sì, è vero, accade che la maggioranza di queste persone nelle periferie siano arabi e che quindi abbiano, siano di religione musulmana, ma questo è perché noi gli abbiamo chiesto di venire, non è questo il problema. Une dernière chose par rapport à votre suggestion, c'est qu'il y a un très grand point commun entre le syncrétisme, qui consiste à faire ce que vous suggérez, c'est-à-dire rassembler toutes les religions, et le choc des civilisations. Il y a un point commun, je vais le donner après. J'attends juste la traduction. C'est un punto in comune fra il syncrétisme, di cui parlava lei prima, e lo scontro delle civiltà. Le point commun entre les deux, c'est que dans le syncrétisme comme dans le choc des civilisations, la différence pose problème. Et dans le choc des civilisations, comme il y a une différence, on va affronter les différences. Et dans le syncrétisme, comme il y a une différence, on va mixer les différences. Mais dans les deux cas, la différence est un problème. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et pour nous, la différence, c'est justement l'inverse du problème. La différence, c'est la solution. Donc on n'est évidemment pas syncrétique. La différence, c'est que il syncrétisme mi fa una specie di mix di tutte queste differenze, e mentre lo scontro di civiltà ovviamente vuole affrontarle. E noi invece non siamo d'accordo con questo, perché per noi è la differenza stessa che costituisce la soluzione. Je vais répondre à la question de monsieur qui se disait agnostique. Je suis content de vous répondre parce que je suis moi-même agnostique. Et nous sommes, il y a beaucoup d'athées en France, il y a aussi beaucoup d'agnostiques. Par rapport à votre suggestion, donc Samuel en parlait, nous ne prônons pas du tout le syncrétisme, le fait de mélanger les religions, ou alors de trouver des points communs forcément tout le temps, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Mais juste, quand vous avez parlé d'un lieu de culte commun, où la synagogue, l'église, la mosquée seraient rassemblées en un seul lieu, il y a un exemple qui me vient en tête et qui serait peut-être une alternative, un exemple à prendre en France. Nous étions en Suède il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, et dans la banlieue de Stockholm, on a rencontré une initiative très intéressante qui s'appelait House of God,
la maison de Dieu. Et au lieu d'avoir un seul lieu pour tout le monde qui puisse prier, musulmans, juifs, chrétiens, etc., il y avait une église avec une mosquée qui était donc côte à côte, et les deux étaient réunis par un espace commun. C'est-à-dire que quand les gens sortaient de l'église et quand les musulmans sortaient de la mosquée après leur prière, ils se retrouvaient dans cet espace commun. Donc ça pourrait être un peu une alternative à ce que vous proposiez. Et ça, quand vous en avez parlé, ça m'a fait penser à voilà, un exemple en Suède, et ça existe. In quanto agnostico, vorrei rispondere alla domanda dell'agnostico. In Francia, tra l'altro, ci sono molti atei, ma anche molti agnostici, appunto. La sua proposta rientra più che altro nel sincretismo, quindi mettere tutte queste credenze insieme, ma non è questo che noi vogliamo. La sua proposta però mi ha fatto pensare a una cosa che abbiamo visto circa un mese fa in Svezia, a Stoccolma, dove non c'era appunto questo unico luogo religioso da lei proposto, ma qualcosa forse di analogo. C'era una chiesa accanto a una moschea, e tra le due c'era uno spazio comune in cui sia chi frequentava la chiesa che la moschea potevano andare. Forse potrebbe essere un'alternativa al suo proposito. Allora, per concludere, perché il è tardi, on peut peut-être fare un'altra Donc pour conclure, comme il est tard, je vais répondre à la dernière question sur l'athéisme et conclure un petit peu sur, sur ma vision de l'engagement dans l'interreligieux en tant qu'athée. Quindi, ora di concludere perché è tardi, vorrei rispondere alla domanda sull'athéisme et à quella sul mio impegno come ateo. Alors, normalement, il me faudrait 3 heures hein, pour expliquer pourquoi. Et je vais le faire en 1 minute 30. Allora, ci vorrebbero 3 ore per spiegarlo, lo farò in 1 minuto e mezzo. La première chose, le 21e siècle est religieux. Il XXIe secolo è religioso. On ne peut pas le nier, les religions sont là, elles sont de plus en plus importantes, c'est un fait. Et un fait, les religions ci sono sempre più importanti. Alors l'enjeu, si on veut pouvoir vivre ensemble, c'est de trouver des aspects sur lesquels on puisse dialoguer et de trouver ce qui nous rassemble. La sfida è trovare i punti che ci possono riunire. La religion, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont en commun, même si ce n'est pas la même. La religione è una cosa che molti hanno in comune, anche se non è la stessa religione. Et moi, pendant très longtemps, j'ai été élevé dans l'athéisme, mes parents sont athées, et pendant très longtemps, je ne comprenais pas la religion, et je disais, si moi je ne suis pas religieux, alors il faut la combattre. E sono stato cresciuto in una famiglia atea, quindi per tanto tempo mi sono detto, se io non sono religioso, non capisco la religione, bisogna combatterla. Et puis un jour, j'ai rencontré Samuel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une distinction que je ne faisais pas. Un jour, poi, ho incontrato Samuel et mi sono reso conto che non facevo una distinzione. C'est la distinction entre la foi et l'institution. La distinzione fra fede e istituzione. La foi, c'est quelque chose qui est beaucoup trop intime pour être appropriable et jugé par les autres. La fede è qualcosa di troppo intimo per essere giudicata dagli altri. E per essere giudicata dagli altri. Par contre, l'institutione, on peut dire, attention, l'institutione, ça peut être un outil de pouvoir, mais comme la politique, comme les médias, comme beaucoup de choses. L'istituzione invece può essere uno strumento di potere, come la politica, come i media, quindi è qualcosa di diverso. Et un jour, Samuel m'a dit, moi, je suis chrétien, catholique, j'ai ma foi, mais des fois, l'institution, je dis non. Et le premier et un des piliers du christianisme, c'est le libre arbitre. Et Samuel mi ha detto un giorno, e io sì, sono cristiano, convinto, però l'istituzione non è che mi piaccia sempre. Quindi mi ha detto che uno dei primi principi del cristianesimo è il libero arbitrio. Alors, en France, on vit dans un état laïque. Et moi, j'aime beaucoup la laïcité. Et j'aime beaucoup le droit. Et j'aime beaucoup la loi. Et j'aime beaucoup la constitution française. In Francia siamo uno stato laico e a me piace molto la laicità, mi piace la legge, mi piace il diritto e la Costituzione. E dans la Costituzione il est marqué que chacun a le droit de pratiquer sa religion ou pas, s'il n'a pas de religion. La Costituzione che dice che ognuno ha il diritto di praticare la sua religione, ce l'ha. Alors moi je me suis dit, mais en fait, c'est moi l'intégriste, je suis athée intégriste, parce que je veux combattre les autres alors que dans l'absolu ils ne me font rien.
E là ho capito che ero io l'integralista perché volevo combattere gli altri che in realtà non mi stavano facendo nulla di male. Alors, je me suis dit comment trouver un moyen pour vivre avec les autres sans vouloir trois choses. Quindi mi sono chiesto come vivere con gli altri senza volere tre cose, le seguenti cose. Ne pas vouloir changer l'autre. Non voler cambiare gli altri. Ne pas vouloir qu'ils me ressemblent. Non volere che mi somiglino. Et ne pas vouloir surtout qu'ils se cachent. E non volere che si nascondano. Et ensuite, je me suis rendu compte que il y avait un concept qui était à l'opposé de trois concepts contre lesquels on se bat. Mi sono reso conto che c'era un concetto che è l'opposto dei tre concetti contro cui mi battevo. Ce concept, c'est la coexistence active. Si tratta della coesistenza attiva. Qui se bat contre le choc des civilisations? Contro lo scontro delle civiltà. Contre le choc des assimilations quand on veut que tout le monde soit neutre. Contro lo scontro dell'assimilazione, quando si vuole che tutti siano neutri, neutrali. E contro le choc des ignorances, qui dirait que finalement on rentre en conflit avec l'autre, surtout parce qu'on ne le connaît pas. E contro lo scontro tra ignoranze, quando si entra in conflitto con l'altro perché non lo si conosce. Alors, je me suis dit, moi, je suis athée, je suis de gauche, je suis socialiste, mais surtout, je suis athée, mais mon devoir en tant que républicain, et en tant que personne qui veut vivre dans un monde de paix, ce n'est pas de combattre les autres, c'est de vivre avec eux, que je les respecte dans leur différence, et qu'ils me respectent dans ma différence. Pur essendo ateo, mi sono detto, il mio dovere quindi non è quello di combattere gli altri, ma di convivere con gli altri, e io rispetto le loro differenze come loro rispettano le mie. Et pour terminer cette phrase, je vais citer une des phrases qu'on a vues dans la vidéo tout à l'heure, qui nous a tous touchés, c'est, je vais la dire en anglais parce qu'on nous l'a dit en anglais, don't talk about the other, talk to the other. Merci. E per concludere vorrei citare una frase che avete visto nel video, che ci ha tutti molto emozionati, in inglese era don't talk about the others, but talk to the others, quindi non parlare degli altri, ma parla agli altri. Il y a français et anglais. Et andate a vedere notre site qui si chiama interfaithtour.com et en français et en anglais. Et nous sommes à votre disposition pour ceux qui veulent continuer la discussion. Et quelli che vogliono continuare il dibattito, siamo a votre disposizione. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Voteremo poi. Metteremo poi a disposizione ovviamente il video della serata che penso sia stato piacevole per tutti. E vi ringrazio di essere stati qua, penso che sia a vedere dalle domande direi che è stata una serata molto riuscita. Grazie a tutti.